les sur une porte. Le passe la vie. Non, c'est pas une question d'incompréhension, c'est qu'on s'est foutu. Et est-ce que. Cher monsieur, la question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a un traité qui nous engage. Et on nous pose la question et ensuite on fait mine de ne pas avoir entendu la réponse. Ça, je suis. Écoutez, monsieur, moi je vais transférer le référendum. L'Europe avec tout ce que j'ai entendu. C'est un exemple. La seule revendication, c'est celle-là. C'est... Voilà. Hein? C'est la seule. Vous l'avez. C'est la seule vote. Hein? Non, c'est la seule que j'ai déjà la présence. Que j'ai vu là-bas, il y a une conférence après-midi. Une conférence après-midi. C'est pas ça. Avec des fortes paroles de gilets jaunes. Une conférence après-midi à l'opéra. Franchement, moi je ne critique pas parce que ça me dérange. On se construit. On nous demande. Construisez-vous. Oui. Ayez des représentants. On a présenté. Se construire pour faire comme le gouvernement actuel, mais ça sert à quoi? Le problème, c'est qu'il y a un refus clair et net. Là, il y a une politique qui est appliquée, qui est ultralibérale, vous le savez, c'est votre parti. Et elle s'en prend systématiquement. Oui, là, c'est une révolution libérale que vous êtes en train de faire en 18 mois, vous avez fait quoi? Vous avez fait autant que les autres? Madame a raison, ça fait 40 ans qu'on subit ça. Oui, non, mais de toute façon, donc, le problème, c'est que si ça fait 30 ans, ou même 40, parce que c'est plus près de 40, en quoi ça change le fait que votre politique n'est absolument pas acquise? Écoutez, monsieur, vous avez l'air d'être très branché. Non, c'est pas une question de parti. Moi, je dis que c'est une question de choix politique. Moi, je vous parle de personne. De madame, de monsieur, de les gilets jaunes, je n'aime pas les gilets jaunes, parce que moi, c'est des gens. Et ces personnes-là, je les vois évoluer depuis longtemps. Ne croyez pas que je suis née nulle part. Je suis landaise, je suis à la campagne, dans un paysan. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études et j'ai eu la chance de pouvoir exercer. J'ai exercé mon métier pendant 25 ans et j'ai été tous les jours au contact de personnes très diverses de la société. Non, mais là, vous... non.